Salut à tous les amis, c'est Amy. On se retrouve aujourd'hui sur SimCity 5 pour la suite de nos aventures. Alors, si on se trouve sur la vallée du Hamon, qu'on va améliorer notamment au niveau de ses services de pompiers, parce que de l'autre côté, c'est pas assez réactif au niveau de ce que ça propose, donc je vais vraiment mettre un gros service de pompiers. Je vais aussi rajouter une petite pancarte et un petit drapeau pour qu'on comprenne bien que c'est les pompiers. Et je vais aller ici pour allouer, voilà, deux camions au lieu d'un seul. Ce qui sera déjà plus pratique quand on sera dans l'autre ville. Alors le but ici, ça va être encore une fois d'augmenter la taille. D'ailleurs, je vais regarder au niveau financier, on ne peut pas rembourser des choses parce que ouais, si on a des emprunts qu'on peut rembourser. Voilà, hop. Voilà. Ça se sera fait, on sera débarrassé de nos dettes. Alors, ici on a un tout petit pôle industriel mais qui n'a pas vocation à s'étendre plus que ça. On va surtout essayer de... Je sais pas, cette ville, j'aimerais bien la spécialiser. Éventuellement dans la culture. Je me garde le jeu pour la pointe ici, hein, tournante commerciale, où bon, voilà, je pense que ça peut être vraiment intéressant de l'avoir ici. Après, on verra bien. Pour l'instant, je me prends pas trop la tête avec les spécialisations. Je veux surtout augmenter un petit peu la taille de cette ville qui est encore toute petite, vraiment toute petite. Pour ça, on va mettre des parcs un petit peu. Je regardais ce dont on a besoin. On a besoin de tout, donc je peux mettre des parcs d'un petit peu ce que je veux. Ça, c'est assez sympa. Hop là, un parc comme ça ici. Un autre ici. Je vais les même mettre un très très riche à ce niveau-là. Voilà. Et puis bah, on va attendre un petit peu. Il y a quand même pas mal de parcs là ici dans cette ville. On a un budget terriblement bon. On a des dépenses d'éducation qui sont assez importantes, mais il est fort possible que... Ouais, non, ça c'est toujours autant bloqué. C'est toujours aussi bloqué. Par contre, hop là. Ouais, ici c'est bon. Fermé pour manque de main-d'œuvre. Ça m'embête un petit peu. Au niveau des marchandises, parce qu'on se situe, dans l'épisode précédent, on avait des petits problèmes à ce niveau-là. Ouais, c'est quasiment rattrapé. On a 400 commandes qui sont pas satisfaites et 714 de l'autre côté. Ici, je veux vraiment garder... Ouais, de toute façon, il n'y a plus de distinction. Je pensais qu'il y avait encore une distinction entre la technologie, mais apparemment, on s'en fiche complètement. Donc c'est aussi bien, c'est aussi bien. Alors, je vais développer un petit peu. Par où je vais me développer? Par là. Voilà, ça me semble intéressant. Je vais reprendre la route courbe. Je vais rester sur le même design. Je vais mettre quelques maisons par ici. L'électricité, on en est où avec l'électricité? Ouais, on est toujours fourni. Il y a encore 25 MW disponibles, donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire sans problème. Je vais juste rajouter... Voilà, un arrêt de bus à ce niveau-là. C'est en train de monter, voilà, la densité est en train de monter, c'est super. Si on a même des choses un petit peu plus richouillettes,
Ce qui est sympa. Au niveau de la circulation, dans une ville de 10 000 habitants, de toute façon, il y a rarement des embouteillages. Enfin, même si elle me dit que si, bon, je crois qu'elle se plante un peu. Pas assez de consommateurs, mais on est en train d'en faire des consommateurs. On en fabrique à l'appel des consommateurs. On les... On les pond même, je dirais, les consommateurs. Je garde un peu de place pour me mettre une gare plus tard. Les services de pompiers sont lents. Oui, mais là, franchement, je peux pas vraiment faire plus. Il faudrait le ministère de la Sécurité. Bon, là, ça se construit. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Au niveau des déchets, tiens, c'est ici que c'est retraité, hein, ouais, c'est ça. C'est ça. On pourrait faire du recyclage, ce qui serait intéressant. Puisque de l'autre côté, je vous rappelle que je veux faire. Là-bas, je veux faire de l'électronique. Le recyclage, ça me permettrait. Alors, du coup, que je fasse du recyclage là-bas plutôt, ça me permettrait d'améliorer un petit peu mon. Enfin, d'avoir à moins à me reposer sur le commerce. Donc, les déchets, je les basculerai peut-être là-bas. Quitte à mettre les services de police par ici ou autre chose. Ce qu'il faut, c'est aussi que j'améliore ça. Parce qu'on n'était pas assez performant. De l'autre côté, on a 5 ambulances. Et je vais envoyer aussi plus d'ambulances. Je vais en envoyer 3 là-bas. Ce sera plus intéressant. On a toujours 25 de place, donc c'est impeccable. Je pense qu'on va pouvoir améliorer la mairie. Voilà. Et du coup, placer un. J'ai passé les services publics, d'accord. Il me reste transport, tourisme et sécurité à faire. Tourisme, c'est moins. Ah oui, mais si je veux faire de la culture, j'aurais besoin du ministère du tourisme. En même temps, sans le ministère du transport, j'irai pas bien loin. Je vais peut-être laisser tourisme et transport pour la prochaine ville que je vais construire, parce qu'elle sera vraiment basée sur le tourisme. Et ici, je vais plutôt me concentrer sur le ministère de la sécurité. Parce que je crois qu'il sera plus intéressant à avoir rapidement comme ça. Donc hop. On va se faire le ministère de la Sécurité ici. Voilà. Comme ça, je pourrais débloquer les grandes casernes de pompiers si j'en ai besoin. D'ailleurs, je vais peut-être le faire directement, cette grande caserne de pompiers. Ok, merci SimCity pour tes magnifiques bugs. Alors. Voilà, là elle passe. Allez savoir pourquoi. Tout à l'heure ça ne passait pas. Donc on va par contre hop, rajouter un garage de camions de pompiers, deux. Et bureau. Et centrale des pompiers, voilà. Ça va nous coûter la blinde, mais c'est pas grave. Et du coup, je vais hop, toujours dans les pompiers, en offrir deux, et voilà. C'est vraiment là-bas qu'il y en a le plus besoin au final. Mais comme ça, vous voyez, j'ai le grand hôpital et j'ai aussi tout ce qui est commissariat avancé de police. Ce qui me sera utile plus tard, c'est plus important de les avoir débloqués, je trouve, rapidement que les trucs touristiques et tout ça, parce que bon, ça c'est moins.
peut-être moins important, moins intéressant. Alors, on va regarder un petit peu au niveau des routes. Densité moyenne ici, on va mettre une densité élevée là également. Densité élevée. Densité élevée. Densité élevée. Voilà. On va passer en densité moyenne ici et ici. Et sur le rond-point également. Hop là. Et on va passer en densité moyenne également à ce niveau-là. Voilà. Ce qui est plutôt sympa. La petite station service là. Huile vite. Non, j'avais jamais vu ce type de bâtiment. 99% d'intérêt. Ouais. Alors, je profite pour faire un petit. C'est vrai que le jeu est toujours aussi sympa à regarder. Hein. Ça c'est sûr. 20 sur 25, hop. Mieux vaut prévenir que guérir. Hop, je vais rajouter une petite aile, surtout que mon budget me le permet carrément. Au niveau technologique, apparemment, ça passe. Les marchandises reçues sont très rentables. Ok, donc là, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être juste mettre ça en densité élevée. Si jamais je veux. Elles veulent se développer, surtout ici, la densité moyenne. Parce que, comme ça, au moins, si elles veulent se développer, elles auront l'opportunité de le faire. Je vais placer quelques arbres. Surtout là par ici pour cacher un petit peu le. L'entre les. La zone industrielle. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal pour camoufler un petit peu les usines. On va regarder ce que ça donne. Ouais, regardez, on les voit presque pas. On les voit presque pas. Oh, il y a des grandes usines ouais, qui commencent à naître. Ah, le mec qui dépense ses sous dans des arbres, quoi. Tout son budget, le budget arbre. Une nouvelle usine qui sort de terre. Industriel, usine. Ah non, ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Pour une densité moyenne. Je vais tout passer en densité moyenne, commencer à passer à la vitesse supérieure de développement. Je pourrais relier ça à ça, me direz-vous. Je vais essayer de le faire. Voilà. Sauf que je veux pas de la densité élevée, je veux de la densité moyenne. Voilà. Et j'ai peut-être rajouté sur le côté, voilà, deux, trois petites maisonnées. Il y a des embouteillages par ici. Bon, rien de très très grave. C'est surtout ouais, pour aller aux industries. Voilà, on va mettre un autre accès. Puis là, je vais mettre de la densité élevée. Partout en fait, où il y a des industries, parce que c'est là où il y a pas mal de trafic. Voilà, là ça va résoudre nos problèmes. Puis au pire, on mettra en place un réseau de bus si vraiment il y a des soucis à ce niveau-là. Le vent pour l'instant, on a un mort par jour, donc ça passe. Ça passe très bien. Ici, j'aimerais bien que ça évolue un petit peu plus vite. Le budget est très 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 bon. Bon, écoutez. Je sais pas, on est au niveau de l'éducation. Il est là.
Je vais mettre une petite bibliothèque municipale. J'aime bien les petites bibliothèques municipales. On va la mettre par ici. Voilà. Oh. Ah. Alors. On va aller de l'autre côté pour mettre à jour nos infrastructures, notamment en eau. Vous voyez que là, on est en train de manquer d'eau. Donc, je vais venir par ici. On va certainement terminer l'épisode par ici. Hop là. Voilà, là en plus, il n'y avait pas... Voilà, là on est en excédent, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, je vérifie bien qu'on est toujours en train de vendre. Attendez, hein, je vais vérifier. De toute façon, les temps de chargement sont assez courts. Donc, ouais, si c'est bon, ça va se mettre à jour assez rapidement, normalement. Ça va se mettre à jour. Oh, je vais accélérer un petit peu le temps. Allez, normalement t'as de l'eau qui est disponible. Envoi d'eau usée, moins 8. Non, c'est censé remonter. Bon écoutez, hop. On va charger, puis ça va se mettre à jour au pire de toute façon dans les moments à venir après. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci. J'ai confiance. On a un bon débit. Ce que je voulais faire ici, c'était du recyclage. Le problème, c'est que mon budget est assez moyen. Est assez moyen. Et je sais pas si mes Sims sont pour l'instant encore assez éduqués pour. Si, ils commencent à être bien éduqués. Donc ça pourrait marcher de faire du recyclage ici. En même temps, j'ai 18 000. C'est pas forcément intéressant financièrement parce que j'ai pas encore assez d'habitants pour que ce soit vraiment intéressant et surtout que ça me permette de financer, parce que le but, je vous rappelle, c'est de financer ici une industrie électronique. Et j'ai peur que là, on soit encore un petit peu bas au niveau du nombre d'habitants pour pouvoir se passer. Enfin, se passer, pas se passer, mais pouvoir faire la chose sans trop devoir dépenser de l'argent dans des achats et de la vente, enfin surtout dans des achats de matières premières. Je vais peut-être peut-être commencer. Hop, on va aller jusque là. Hop, alors attendez. Je vais essayer de faire un truc sympathique encore une fois. Non, ça c'est... Hop, moi je veux baisser. Je vais jamais y arriver à faire ce que je veux. Ah, si là ça passe. Yeah! Eh, c'est pas beau ça? Super long. Et la question que je me pose, c'est est-ce que. Ouais! Ah, ils ont bien pensé le truc quand même. Ça, c'est cool. Comme ça, je perds pas trop d'espace ici et je peux vraiment mettre mes infrastructures comme je l'entends. Plutôt cool. Bah, le voisin est lent. Alors attendez, ce qui m'intéresserait de voir, c'est. Non, c'est bon, c'est les bons camions. Et on va peut-être, hop, commencer par mettre. J'ai pas assez de simplouze. Ça coûte combien ce truc? 160 000. Ah oui, c'est très très cher. C'est très très cher. C'est très 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 cher. Bon bah écoutez, je crois que je vais vous laisser là. On va se laisser là.
Oh, une université, ce serait intéressant à construire. Ouais, je vais faire ça. Pour terminer, on va se construire une université. J'ai encore pas assez d'argent. 88 000. Ouais, bah écoutez, on fera ça dans l'épisode prochain. En ce qui concerne l'université et tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!